C'est que j'ai pas réussi à me réveiller ce matin. Putain, c'est un combat là, c'est un combat, faut se réveiller. Allez mec. Mais tu fais quoi manger? Et le meilleur carburant, c'est la passion. Il me semble pas avoir commandé un colis. Merci Grégory. Merci pour le téléphone, merci à toi et on se tient au courant. Mais cette lettre là, ce qui est écrit derrière cette lettre. La vérité, c'est que j'ai pas réussi à me réveiller ce matin. J'ai fini plus tard que prévu de monter la vidéo hier soir. Je suis tête dans le cul, je suis en retard pour le rendez-vous. Il va falloir que je speed. Ça m'arrive pas souvent de foirer mes réveils. Alors là ce matin, impossible. J'ai raté la première sonnerie. J'ai éteint la première sonnerie. Et après, juste après. C'est un rendez-vous avec un tout nouveau client qui vient d'arriver maintenant. Donc, Va falloir être prêt. Allez, ça va le faire. Je mets des musiques un peu genre motivantes qui m'inspirent, des conférences ou des choses qui vont me réveiller à l'intérieur pour réussir un peu à me mettre en mouvement dans les pensées, dans la vision. Et après du coup, je sais que le rendez-vous sera aussi dynamique. Putain, c'est un combat là, c'est un combat. Faut se réveiller. Allez mec. Allez, showtime. La vision long terme, c'est de se dire, tu dis aux clients transparents, mec, on est moins cher, parce que nous on passe par eux. Donc on va apporter toute l'expérience client, on va venir pour t'accompagner, chef de projet, mais on a un mec à manœuvre, elle est moins cher. Mais tu factures moins cher. Rendez-vous terminé, super sympa, c'est avec une fiduciaire avec qui on bosse maintenant. Depuis juste maintenant, le gars m'a écrit sur LinkedIn la semaine passée en mode genre j'aime bien ton contenu, ça me plaît, c'est cool ce que tu fais. Il me faut du marketing, il faut que je repense un petit peu ce qu'on fait. Et du coup on s'est appelé, bon feeling, bon contact. Là on vient de se voir ensemble pour le premier rendez-vous pour lancer un peu la collaboration ensemble. Donc c'est cool, super sympa et c'est vraiment super intéressant chaque fois je trouve de se plonger un petit peu dans l'univers des gens, de voir un petit peu leurs services, ce qu'ils font, comment ils le font, pourquoi ils le font. C'est à chaque fois un gros kiff et à chaque fois c'est vraiment une autre histoire et c'est ce qui rend le truc vraiment passionnant. Maintenant, petit passage éclair à la maison pour aller faire à manger. J'ai pas eu le temps de le faire hier soir pour monter l'épisode numéro 6. Et ensuite, go départ pour le bureau pour une après-midi carte de vœux. J'ai beau avoir dormi 4 heures cette nuit, être allé vraiment tard au lit et m'être levé tôt ce matin. C'est ouf comme maintenant à cet instant, je suis juste blindé d'énergie. Et le meilleur carburant, c'est la passion. Et c'est ouf, je trouve, comme dès qu'on trouve vraiment ce qu'on veut réussir à faire, dès qu'on est 100% aligné sur qui on veut être, sur ce qu'on veut réussir à accomplir, là où on veut aller, c'est ouf quoi. C'est de l'essence super plus X Power 2000 quoi. C'est hardcore. C'est cool parce que ça bouge bien ces temps. D'une manière générale, je suis bien. J'ai la vision, je vois un petit peu ce qui se passe. Je vois les projets aussi qui se mettent en place. Il y a plein de projets qui viennent spontanément de plus en plus. J'ai eu cette semaine deux personnes qui m'ont contacté via les podcasts, ce que j'aurais jamais pensé. Une entreprise basée en France et une entreprise basée en Suisse dans la restauration. Et les deux personnes ont écouté un podcast, elles l'ont kiffé et elles m'ont écrit sur LinkedIn pour dire j'ai kiffé le podcast. C'était cool, il faut qu'on se voit et qu'on parle ensemble de marketing. Je suis content parce que ça vient spontanément et ça fait trop plaisir. C'est cool, on bosse beaucoup, mais c'est tellement kiffant. Je le dirai jamais assez, mais je kiffe trop quoi. Pour ce midi, ça sera du saumon teriyaki sur du riz brun. Et pour ce soir, ça sera du poulet et patate douce paprika. I won't stop. Ooh, never panic.
Arrive au bureau juste à l'instant et il est temps qu'on fasse un mail time, enfin un facture time pour aller voir un petit peu le courrier. On a reçu. Il me semble pas avoir commandé un colis. Pourtant, j'ai une invitation à retirer un envoi. Loïc, tu nous renvoies un tableau, Loïc? Je sais pas ce que c'est. On verra. On va aller voir ce que c'est. J'ai reçu pardon cette invitation à retirer un colis. Ah, oui, effectivement, c'est un retour. Ouais. Parfait. Voilà. Merci, madame, c'est gentil. Hein. À bientôt. Merci, au revoir. Bon, je sais exactement ce que c'est. Enfin, non. Je sais pas pourquoi on a reçu ça en retour, mais c'est un hoodie qu'on a envoyé à l'un de vous et on a eu un retour. Il n'y a pas de raison en fait pour le retour. C'est pas écrit pourquoi il y a eu un retour, c'est juste écrit que ça a été retourné. Bizarre. Bon, j'ai retrouvé l'adresse email et je crois pas que j'ai le téléphone du mec qui a commandé son hoodie, donc il a pas reçu. Et je vais lui écrire un petit message où je vais. Ah putain, j'ai un téléphone. Oui, juste, j'ai ce téléphone. Je sais. Ciao Pierre, comment tu vas? Très bien, merci. La concurrence est devenue quelque chose d'un peu moins social et d'un peu plus... lucratif. Orienté business et choses comme ça. D'accord, ok. Merci Grégory. Merci pour le téléphone, merci à toi et on se tient au courant. Et à bientôt. Ça marche. Au revoir. Ciao Pierre. Bon ciao. Ciao. Ouais, c'est cool, c'était un call avec un gars qui est directeur du service qualité et durabilité d'une entreprise qui est basée en Suisse. C'est une bonne grosse structure. Et c'était super intéressant. Et ils ont un projet maintenant qu'ils ont en interne. Ils ont besoin d'externes pour apporter un peu de la créativité au sein du projet. Donc on verra. On attend de nouvelles, mais je le vois le 3 février pour qu'on puisse parler ensemble budget, action, plan d'action, cahier de charge. C'est cool. Bonne nouvelle. Fait plaisir. Je viens d'écrire juste maintenant à Victor. C'est le mec qui a commandé son hoodies. Et qui ne l'a pas reçu, ou on l'a reçu en retour justement. On va trouver une solution, j'arrive pas à savoir pourquoi est-ce qu'il est reparti, c'est bizarre vraiment. Mais on verra, je viens de l'écrire maintenant pour dire qu'on l'a reçu en retour. Et il vient de lire. Il vient de lire juste maintenant. Allô? Ciao Victor, comment tu vas? Cool mec, cool. Oh, on a reçu le colis en retour là, c'est trop bizarre. Ouais mais c'est bizarre, pourtant c'est bien juste. J'espère qu'il va arriver la semaine prochaine, puis si t'as le moindre frais en plus pour la douane, peu importe, tu me dis c'est à nos frais, le but c'est pas que tu payes en plus. Ok, merci c'est cool, ciao mec, à toi. Bon, on verra, j'espère, problème réglé. On va lui renvoyer son colis, en espérant que cette fois il le reçoive. Il est l'heure du petit snack de l'après-midi. Vous connaissez, un petit shot de gingembre, une barre de protéines. J'en ai déjà parlé, mais les protéines Nutramino, celles-là, elles sont juste incroyables. Elles ont seulement 0,6 g de sucre dans les barres, enfin dans une barre. C'est pas mal protéiné et le goût, mais le goût. Pff. Putain, on s'y habitue jamais à ça. Je l'avais dit, on est parti pour les cartes de vœux. On a plusieurs timbres qui sont ici, courrier A, on a les cartes de vœux qui sont ici et un paquet d'enveloppes. Maintenant c'est parti, je vais vraiment me laisser guider un petit peu et prendre les clients, les partenaires, les amis, les uns après les autres. J'ai fait une liste de personnes à qui je dois écrire et laisser un petit peu l'émotion guider la rédaction. Ne pas vraiment réfléchir à un texte que je vais réécrire à chaque fois, mais vraiment partir de zéro pour chaque carte de vœux. Vraiment me dire qu'est-ce que je veux transmettre dans cette carte, qu'est-ce que je veux dire dans cette carte. Pourquoi dire merci? Il va vraiment réussir à chaque fois à faire un truc personnalisé à 300%. Pour mettre la mood, je vais vous dire la musique que j'écoute. C'est la musique d'un film, d'une histoire de basket. C'est Coda de Rob Simonson. Elle est juste oufissime. Elle me donne des frissons quand je l'écoute, je la mets en boucle. Je suis le genre de gars où quand je kiffe une musique, je la mets mais en boucle, jusqu'à en avoir plein le cul et après j'arrête de l'écouter. Et je la redécouvre genre 5-6 mois après. Dites-moi en commentaire si vous le faites vous aussi. Première lettre terminée. Putain, ça va prendre du temps. Ça m'a pris 10 minutes pour une lettre quasiment. Mais cette lettre-là, ce qui est écrit derrière cette lettre, c'est pour l'un des premiers clients qu'on a eu avec Dern. C'était une grosse banque. Une banque qui a le nom suisse
dans son nom. Vous devinez laquelle. Et on a eu vraiment un gros projet avec eux. Et à chaque fois que j'y repense, je suis pas super confortable avec ce projet qu'on a eu. Parce qu'on n'a pas livré 100% de ce qu'on pouvait réussir à livrer. On a promis des choses qu'on n'a pas réussi d'ailleurs à assumer. Et pour moi, c'est un mandat qui restera jamais gravé dans ma tête, dans mon cœur, qui m'a beaucoup appris énormément. Et vraiment, du coup, je dis merci pour la confiance qu'il nous a accordée, merci pour la chance qu'il nous a passée. Je lui ai écrit dedans aussi que justement, je suis conscient qu'on n'a pas livré 100% de ce qu'on aurait pu livrer pour ce projet, mais que grâce à ses retours constructifs qu'il nous a fait, grâce à toutes les critiques qu'il a pu nous apporter, ça nous a beaucoup, beaucoup aidé. Vraiment, c'est très, très spontané. Ça vient du cœur. Ça prend du temps, mais franchement, je trouve vraiment cool de faire ça. En tout cas, pour moi, ça me fait du bien. C'est pas des clients, vraiment. C'est pas des clients qu'on a. C'est des partenaires. Ça me tient à cœur vraiment aussi de le montrer à mes clients, de le montrer à mes partenaires, de montrer avec les boîtes avec qui on bosse que c'est bien plus que des clients. C'est pas juste des personnes qui nous payent pour un service. C'est vraiment plus une relation sincère qu'on essaye de travailler. La petite lettre, il sort comme ça. Merci. Le petit texte, le petit sticker. Oh boy, ça va être long. J'en ai fait là environ une petite quinzaine, même pas, j'en ai fait combien ? 1, 2, 3, 13. J'ai fait 13 cartes de vœux en l'espace de 2h30, presque 3h. Ça va prendre du temps, ça va prendre beaucoup de temps. Mais c'est du temps bien investi, du temps qui est kiffant, c'est le plus important. Et vraiment, j'attends rien en retour. Je le fais pas dans une optique d'avoir un retour, je le fais vraiment parce que j'ai envie de le faire. C'est vraiment le cœur qui parle là. Mais du coup, bah, c'est un kiff de le faire, c'est un plaisir de le faire. Et maintenant, je vais rentrer à la maison, ma chérie a besoin de la voiture, donc il faut que je lui rapporte la voiture à la maison. Et je vais continuer depuis la maison à faire ses cartes de vœux, je sais pas à quelle heure je finirai. Et j'ai sorte de petites crampes dans la main. Et je suis tellement plus habitué à écrire vraiment au stylo, vu qu'on fait tout par mail, par digital, j'écris quasiment plus jamais à l'écrit. Et du coup, je suis tellement plus habitué, c'est violent quoi. Comme le fitness quand tu reprends après une longue pause, j'ai des sortes de crampes dans la main là. J'aurais des courbatures de main, je suis quasiment certain quoi. Ça avance bien, je suis à une petite trentaine de cartes là. Donc voilà pour cet épisode, j'espère que vous avez kiffé un petit peu le côté embarqué aussi dans les vidéos. Dans l'épisode numéro 8, qui sortira du coup mercredi à 18h, on parlera ensemble du recrutement. On va lancer vraiment le Dare Challenge tout bientôt. Ça va être un recrutement, j'en parlerai plus pour vous dire les profils qu'on va rechercher, ce qu'on veut réussir à faire avec ce recrutement. La vision qu'on a, les ambitions qu'on a, c'est un gros gros projet qui va être super super cool à mettre en place. Je me réjouis à fond. Voilà ce qui résume cette vidéo. Si vous voulez kiffer, lâchez un petit like, dites-le moi en commentaire. Si vous ne l'avez pas encore fait non plus, abonnez-vous à la chaîne. Je le dis encore, mais c'est que le début. Et surtout, n'oubliez pas un truc, souriez à fond. Ça fait une immense différence. À mercredi.